Pardon. Salut à tous les démons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Remake. Et je vais débuter la vidéo avec cela. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche sur toutes les notifications, ce qui vous permettra de savoir quand est-ce que sortiront les vidéos. Car je vous rappelle qu'à partir du mois de janvier 2022, il n'y a plus de planning pré-inscrit, c'est-à-dire que il n'y aura plus les jeux au jour, à date et à l'heure. Ça sera comme bon me semble, comme bon sera enregistré. Car, comme tout le monde, j'ai des envies de plus jouer un jeu que d'autres, et parfois même des nouveaux jeux, pourquoi pas. Ça va être vraiment sur le moment. Car effectivement, si certains jeux me font perdre un petit peu en intérêt, c'est-à-dire un petit peu comme Final Fantasy, j'aimerais bien qu'on arrive à avancer un petit peu plus. Une fois par semaine, ça fait court. Donc c'est possible que par moment, je vous fasse une semaine complète de Final Fantasy VII Remake. Comme c'est possible que je vous fasse 2 jours de Final Fantasy VII ou plusieurs fois. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Ça sera vraiment selon mes envies. Si un soir, j'ai envie de jouer à Final Fantasy, ou j'ai envie de jouer à Shelter 2, ou j'ai envie de jouer à tel autre jeu, bah, je joue et j'enregistre ce que je veux, et non plus une obligation quelque part entre guillemets de jouer à un jeu pour pouvoir vous sortir le jeu en temps et en heure. Pour moi, ça me facilite grandement les choses, surtout que bah, par moment, vous savez, vous n'avez pas forcément la mood de jouer à un jeu plus qu'à un autre. Donc voilà. Donc la dernière fois, on s'est fait défoncer. Vous avez eu de la chance de gagner. Mais surtout, oui, croyez alors pas que ça va durer. Vous êtes prêt à y aller? Non, non, continuez. Merci. Oui. Surtout, tâchez de revenir en un seul morceau. Je sais pas comment faire. Peut-être barrière ou une connerie comme ça peut être passons pas mal. Passons à la suite. Le deuxième match de la demi-finale. Côté, le couple qui a remporté son tout premier combat avec une chance insolente. On l'a vu la dernière fois, on va passer. Hein. On va essayer de... Non, non, non. Je sais pas comment on fait. À mon tour, c'est ça? Phoenix. Extra soin sur Aéré. C'est fini pour toi.
incroyablement incroyable. J'en crois bon. Pas mes yeux. Ça a été mieux cette fois-ci. Une fois de plus, ceux qui ont réussi à balayer leurs ennemis à deux et à remporter la victoire sont... Mesdames et messieurs, l'équipe de Cloud et d'Aeris. Ok. T'as la posture qu'il a. Tu... t'es presque assez souple. Les combattants sont priés de retourner dans leur loge. Oui. C'est qui se débrouille pas trop mal? Mais ça va de soi. Je lui ai fait un petit massage. À en croire ses mains, il a certainement trompé la mort plus d'une fois. Beaucoup de gens peuvent s'en vanter dans notre quartier. En tout cas, on se retrouve tous les deux en finale. Un petit pari? Tu changeras jamais. Un de ces jours, tu vas finir à la rue. Si ça arrive, je pourrai encore aller frapper à ta porte comme au bon vieux temps. C'était de très loin la plus grosse erreur de ma vie. Oh, le petit coquin. Monsieur Andy, ce prince de la reine, il est d'une telle beauté. Pas vrai? La prochaine fois, c'est la finale. Ouais. Ça n'a pas l'air de te réjouir. Nos adversaires ont pas vraiment l'air de vouloir se battre. Sans doute, mais on est tout près du but maintenant. Continuons comme ça. Oh, plein de fleurs, que c'est gentil. Je pense que ça peut être pas mal, hein. Un peu de PV, un peu de machin. Équipe de Cloud et d'Iris, la finale va bientôt commencer. C'est nickel. Présentez-vous à la porte de l'arène. What the fuck? Lol. Alors là. Vous m'avez impressionné. C'était de la conscience tout à l'heure. Alors, vous êtes prêts pour la finale? Mais je pense, franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Imaginez ça en animé. Enfin, du moins, ils vous font un film, ils vous sortent le film comme ça. En trois, en même, qu'ils fassent une trilogie, hein, comme pour le jeu, hein. Pour pas trop spoiler le jeu, mais ça pourrait être pas mal, moi, je dis. Sincèrement, honnêtement, je serais bon client de ça. Le petit film qui retrace l'histoire, où il montre vraiment les combats les plus ardus et compagnie, certaines choses, certains passages, tu vois, c'est, qu'on a fait en jeu. Je pense que ça serait... En plus, les gens qui ont joué au jeu pourraient même carrément kiffer mes vénères, quoi. C'est mon avis, hein, mais... Je compte vraiment sur vous pour gagner, hein. J'ai parié sur vous. Super. T'aurais pas dû. Mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendiez avec impatience. Cette coupe Cornéo aura été remplie de surprises et de rebondissements. Il ne nous reste qu'un seul match à partager tous ensemble. Nous aurions aimé nous aussi que ce tournoi dure plus longtemps. Cependant, comme vous le savez bien, malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin. C'est pourquoi je vous demanderai de faire beaucoup de bruit pour fêter comme il se doit cette grande finale. Ils ont un speech de présentateur aussi. Deux jeunes débutants qui ont vaincu de redoutables vétérans et en beauté. Le couple qui nous a offert un spectacle des plus inattendus. Les poulains de Madame M. Je vous demande d'accueillir Cloud et Iris. Vous faites pas assez de bruit, hein. Allez! Face à eux, ils ont remporté le tournoi 5 fois! Mais on ne compte plus les adversaires qu'ils ont démembrés! Au mieux, ils les envoient tous à l'hôpital. Ils font le ménage partout où ils passent de façon très musclée! De véritables machines à tuer! Les champions de Chocobossam, je vous demande d'accueillir les tronçonneurs nettoyeurs! Yes!
Ok. Des robots? Des armes de la Shinra. C'est permis, ça? Alors, laquelle des deux équipes remportera le million de guilds? Messieurs dames, préparez-vous à vivre un moment exceptionnel! La finale de la Coupe Cornéo! Que le carnage commence! Fin infini, fais-toi rire. Ah, mais c'est pas le. Oh, je sais plus. Je crois qu'on va revenir sur un sort de soin finalement. Ça se présente mal. Je suis encore debout. Je peux pas faire de sort. Je dois bien encore avoir des grenades, non? Ouais. Heureusement qu'elle est restée. Le vainqueur de la Coupe Cornéo n'est autre que l'équipe de Cloud et Aerys. J'en ai de la peine pour toi. Eh bien, tu es plutôt serein, dis-moi. Je m'attendais à te voir exploser de colère. Même quand on prend toutes les précautions, un imprévu peut toujours arriver. C'est pour ça que j'aime les paris. Ta pièce, elle a deux faces identiques, n'est-ce pas? A plus. Et maintenant, il est temps d'aller récolter mon prix. Désolé, Madame M, mais pas tout à fait. Sur ordre de Don Corneo, il reste un dernier match à disputer. Hein? Il faut remporter ce match pour pouvoir empocher le prix. Attends deux secondes, tu te fous de moi ou quoi? Allez, fais ça, Don Corneo. Tiens. Maintenant, on va pouvoir aller sauver Tifa. Avant ça, il faut parler à Madame M. Elle doit te préparer une tenue, pas vrai? Oui. Je suis désolée de gâcher votre plaisir, mais c'est pas terminé. Vous allez devoir faire un autre combat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que vous avez trop mis l'ambiance dans l'arène. La façon dont vous vous êtes battu a amené les spectateurs à parier beaucoup d'argent sur vous. C'est pas le genre d'opportunité que Don Corneo laisse échapper. Autrement dit? Si vous voulez remporter le tournoi une bonne fois pour toutes, vous allez devoir affronter un dernier adversaire de son cru. C'est pas ce qui était prévu? C'est plutôt à moi de me plaindre! Quel sale avare, ce type! Ce
cette espèce de sale enflure de merde, de saloperie de chiotte! Oh, au moins ça c'est clair. Mais bon, on n'y peut rien. Dans ce quartier, c'est lui qui établit toutes les règles. Toujours est-il que la loi, c'est lui. Qu'il le veuille ou non, il pourra pas tricher davantage. Il s'attirerait les foudres du public. Ça sera donc le dernier combat. C'est tout le mal que je vous souhaite. Ouais, si seulement. Tic 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 tic. On va se faire une petite pause quand même, hein, parce que bon. Parce que ça risque d'être un petit peu difficile. Alors, contre qui on va combattre? Sûrement contre le gars à casquette. Il y avait beaucoup plus de fleurs, non? Non, pas plus de fleurs, là. Ok. Bon. Si on allait parler à Zigoui, là. Regardez un peu ce que vous avez fait. Ah, j'aurais peut-être dû aller voir quand c'était avant. Oh, l'autre, il est tout en joie. Bon, sur ce, les démons. On va s'arrêter là. Alors certes, ça fait une vidéo plus courte que d'habitude. Bon, je vais un petit peu blablater, donc ça va monter un petit peu le temps. Mais c'est pas ça. C'est que on va se garder le dernier combat pour la prochaine vidéo, bien évidemment. Donc n'oubliez pas le like, le commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche et toutes les notifications pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, surtout si vous suivez une série, comme je vous rappelle, au mois de janvier, il n'y aura plus de planning précis de quand sortent les vidéos, ça sortira comme ça sortira, et il n'y aura plus de jours fixes, d'accord. Et y compris pour, ça j'avais pas précisé, mais y compris pour les jeux de découverte, ça ne sera plus le samedi dimanche, mais ça sera un petit peu n'importe quand dans la semaine à partir du moment où je les ai. Ce qui me permettra aussi des jours où je n'ai pas où je n'ai plus d'enregistrement pour les jeux de découverte le samedi dimanche, ça me permettra de vous mettre ainsi d'autres jeux tout simplement. C'est un ensemble de choses que j'expliquerai donc dans que j'ai dû expliquer hein, sûrement dans une vidéo que je vous ai fait le lundi. Bref, sur ce, on va se laisser là. Merci encore de suivre la série et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Si tu veux continuer à regarder des vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux une notification à chaque vidéo ou à chaque changement de la chaîne, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur le Tipeee. Et ainsi, soit en donnant directement ou en regardant une vidéo qui me permettra de gagner 3 centimes à chaque minute regardée. Sur le Tipeee, tu pourras avoir des news sur ce qui peut être fait. Et si tu as été tipeur, tu auras des news exclusives. Alors je te dis à la prochaine. Bon jeu à toi.